fois pas ouvert. Ah, désolé, je suis pas habitué à parler. En fait, le groupe Alesco, les supporters, on va vous remercier pour tout ce que vous avez fait durant toutes ces années. Les grands moments que l'on a vécu, la montée en Ligue 1, la finale de Coupe de France, tous ces moments qui nous ont fait plaisir. Donc, on vous remercie, on ne savait pas trop quoi vous offrir, donc je pense que du vin, du pays, je dirais, je ne sais pas si vous êtes des connaisseurs, ça devrait vous plaire. Merci Stéphane. Je n'ai pas rajouté grand chose à le discours d'Anthony, de ce qu'il a pu dire. On le rejoint totalement dans son discours et je pense que l'ensemble des présents s'y retrouve. On est vous Stéphane, mais évidemment ça concerne tout le staff, Patrice, Benoît, Laurent, Arnaud, qui va beaucoup nous manquer quand même, hein, parce que. Donc on a passé une sacrée année au club de plus de 20 ans. Et puis Serge, évidemment, fidèle adjoint depuis toutes ces années. Donc nous concernant, on vous offre un cadre un peu particulier qui est malheureusement un petit peu petit pour les fans. Mais c'est en fait un t-shirt qu'on a sorti à l'occasion de 100 ans et qu'on a voulu un petit peu remettre au bon du jour avec votre départ. On a mis à peu près tous les noms marquants du club dans cette date particulière pour le club, 1919, l'année de création, et sur lequel on a mis votre nom un petit peu plus en valeur. On a mis un nom de Stéphane. Merci le staff, merci. Pour poursuivre ce moment, on va peut-être, parce que les fleurs se faisaient la balle, donc on va peut-être tout de suite changer le programme. Et les fleurs, en fait, c'est pour vos compagnes. Voilà, c'est pour mesdames. Bravo! Je ne connais pas. Dans un sportif, le staff technique dans un club de Ligue 1, ça ne va pas être toujours facile, et notamment vos maris ne sont pas souvent présents le week-end. Déjà, nous supporters, nos femmes, bon voilà, mais. Alors, là, on a. J'avais un petit mot, pardon Philippe, mais il y a deux personnes que j'ai oublié de remercier tout à l'heure, et je regrette profondément. C'est justement Philippe, qui a été un grand artisan de tout ce monde. Bravo! Ouais, Patrick! On arrive aussi à reproduire les articles sur YouTube et les Facebook que nous avons en discussion de tous les deux. Bonjour. Il me semble. Je suis lui, mais d'associer les épouses et les compagnes. Parce que pendant 10 ans, vous avez donc fait des sacrifices, tous, et je vous dis aussi que vos compagnes et enfants, qui ont fait des sacrifices aussi, de ne pas vous avoir tous les week-ends, d'avoir coqué. Je me dis que ça a dû être un petit peu difficile. Je sentais la salle de cette année de cette année. Et remercier. Voilà, merci. Alors, un super témoignage qu'on va vous proposer, messieurs Moulin, c'est un recueil de tous les mots qu'ont bien voulu laisser les supporters.
dans un livre en fait agrémenté d'un certain nombre de photos. Vous voulez s'imaginer qui a été le metteur en scène de cet ouvrage. Merci Philippe. Merci Philippe. Le fils. Donc on va demander au fils de Stéphane Goulin de remettre à son papa ce magnifique ouvrage qui est donc un livre d'or. De tous les mots qu'ont laissé les Angevins pour vous, monsieur Moulin. Bravo. Bravo. Stéphane Moulin, Stéphane Moulin, Stéphane, Stéphane, Stéphane Moulin, Stéphane Moulin, Stéphane Moulin, Stéphane, Stéphane, Stéphane Moulin, Stéphane Moulin, Stéphane Moulin, Stéphane, Stéphane, Stéphane Moulin. On va réfléchir avant l'arrivée au potentiel de la pluie, parce qu'en ce moment c'est possible. Des choses plus prosaïques, mais comme les collègues d'Alesco, des produits de terroir, ça fait toujours plaisir. Donc on a le plaisir de vous proposer un magnum de quart de chaud, de chaud, de fruits, et des canons d'ardoise pour l'ensemble du staff. Ça me donne faim. Témoignage suivant, c'est un cadre photo qui en fait rassemble tout le staff. Cadre photo avec photo de Philippe, bien sûr, mise en cadre. Qu'est-ce qui est Et puis on va terminer par deux artistes. Alors d'abord une œuvre d'un artiste parisien, supporter du SCO, qui nous a contacté parce qu'il voulait participer à ce moment. Il n'a pas eu l'occasion de le faire au moment du lancement de l'appel au don. Super. Mais il nous l'a fait parvenir et donc on va le remettre à Stéphane Moulin maintenant. Je crois que le nom de l'œuvre c'est l'équilibre. Voilà. Et puis je vais appeler notre artiste angevin, voilà, c'est un peu le point d'orgue des témoignages qu'on voulait remettre à Stéphane Moulin, puisque Alain, tu peux peut-être amener deux. Super. Bravo. Ouais. Magnifique, magnifique. Magnifique. Bravo. Super. Magnifique. Bravo.
Au-delà des éléments matériels, Stéphane, tout le staff, je pense que vous avez compris que ce qu'on voulait vous faire passer, c'était surtout des mots du cœur. Et encore une fois, de tout cœur, de la part de tous les supporters en juin, merci. Et bon moment. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous douter que je suis un petit peu ému, alors voir autant de monde aujourd'hui pour nous adresser tous les messages de remerciement, tous les hommages qu'on a déjà eu. Et peu importe ce qu'ils aient été, en tout cas ils nous ont tous touchés. Évidemment que c'est un peu le moment des remerciements. Je voulais d'abord commencer par les gens qui travaillent avec moi. C'est une histoire, une belle histoire, mais comme pour qu'elle soit belle, il faut qu'il y ait des beaux hommes, des bons hommes. Et évidemment j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans avec eux. J'espère pouvoir revivre de tels bons moments. Ça, c'est essentiel pour moi et pour le sport, parce que ça dépasse le cadre humain. Remercie aussi les épouses, la mienne en particulier, évidemment mes parents, mes enfants. Parce que, évidemment, il y a des bons moments, il y en a aussi des mauvais, mais ça fait partie du métier. Mais il faut être sacrément solide parfois pour nous supporter. Donc, je voulais les remercier aussi pour ça. Et puis tous les gens qui nous ont témoigné leur soutien, leur gentillesse, leur gratitude par des gestes, par des cadeaux qui nous touchent énormément évidemment. Et puis par vous aussi parce que évidemment qu'il y a une relation, je ne vais pas dire fusionnelle, mais presque entre le public et nous, entre nous et le public. Pendant ces 10 ans, on a toujours été soutenu, même dans les moments les plus difficiles. Et ça, évidemment, on n'oubliera pas, on n'oubliera jamais. Et donc, je voulais vous remercier au nom du staff, parce que cette histoire-là, elle est belle. Elle se termine, mais on ne veut retenir que du bonheur, que le bonheur qu'on a vécu. J'espère que vous continuerez à en vivre à travers le club. Nous, on restera évidemment très attentifs aux résultats du SCO parce que, à jamais, on l'a dit, ça sera un club qu'on n'oubliera pas. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Mais on m'a posé plusieurs fois la question. Moi, j'ai des attaches ici, ma famille, mes amis. On a pu s'exprimer aussi de cette manière aussi longtemps. C'est un travail collectif. Les dirigeants m'ont permis ça, nous ont permis ça. Vous, tous les gens qui ont travaillé, la presse, au centre de formation, dans les bâtiments administratifs, ça a été vraiment une osmose de tous les instants. Et simplement, je voulais vous dire que on quitte le club. Voilà, mais puisqu'on m'a posé la question, je vais y répondre. Ce n'est pas un adieu, c'est simplement un au revoir.